Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Sly. Si vous êtes nouveau, les amis, bienvenue. Si vous êtes ancien, merci encore pour votre soutien. Alors les amis, nous sommes aujourd'hui dans une vidéo astuce. Ok les amis, une vidéo astuce très simple. On a besoin que de deux ingrédients. Et cette astuce là, ça va permettre de faire beaucoup de choses. D'abord, en premier, c'est une astuce qui va vous aider à brûler la graisse du ventre. Nous avons ce problème là, les femmes. On a toujours un petit, you know, moi-même j'ai toujours ce petit... Parce que j'ai déjà connu la maternité, j'ai toujours ce petit, you know, ventre-là qui me fatigue. Mais franchement, j'ai plus trop à me plaindre parce que j'ai changé mon hygiène de vie. C'est pas que les femmes, il y a aussi les hommes là dehors qui ont des soucis au niveau du ventre. Ok, les gaines, c'est fait pour les femmes et les hommes. Les astuces aussi, pareil, c'est fait pour les hommes et les femmes. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo. On a besoin de la poudre de cannelle qui est comme ci. Nous avons aussi besoin du clou de girofle, le jus du clou de girofle. Il se présente comme ça. Et c'est quelque chose que j'utilise avec ma famille au quotidien. Tout le monde boit ça le matin à jeun avant de sortir de la maison. C'est des choses que j'utilise, voilà, ça sort directement de mon frigo. On a besoin de ces deux ingrédients-là, tout simplement. Ok, on va se lancer à la préparation de la recette maintenant. Donc, la recette est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 2 cups de jus de clou de girofle, comme ça. On va ajouter 2 cuillères à café, qui est l'équivalent de 2 teaspoon en anglais, ok? Dans notre jus comme ça, de clou de girofle. Alors, le clou de girofle, généralement, il a du mal à se mixer au liquide. Donc, vous allez devoir tourner un peu plus longtemps. Donc, ce que je fais, je vais mettre ça simplement au micro-ondes pendant 30 secondes. Donc, les amis, le temps que ma potion chauffe, pour ceux qui n'ont pas forcément la poudre de cannelle et le liquide de clou de girofle déjà prêt, vous pouvez tout simplement prendre les petites branches, les petits sticks de cannelle, 4 petit morceau de clou de girofle, vous mettez ça dans de l'eau à bouillir. Vous faites bouillir ça jusqu'à ce que la couleur de l'eau change et vous pouvez boire un verre le matin à jeun et un verre le soir. Ok les amis, c'est aussi simple que ça. Moi j'ai déjà tout ça déjà prêt parce que c'est des choses que j'utilise au quotidien. Je mets la poudre de cannelle dans mon smoothie régulièrement pour boire. Ça me permet de garder quand même ma silhouette. J'ai déjà connu la maternité comme je le dis, mais franchement, j'ai pas vraiment grand chose à, you know, à perdre, à me plaindre. Le ventre ne sera pas plat comme avant les enfants, mais franchement, j'ai une belle silhouette comme ça, ça me va. Ok? Donc, comme je disais, si vous voulez perdre du poids, les amis, ça, c'est une boisson qui va vous aider. Mais l'alimentation doit suivre. Manger très tard les soirs, c'est ce qui va venir gâter tous vos efforts. Faire un peu de marche, c'est très important. Donc, ici, je vais vous citer quelques petits bienfaits de la poudre de cannelle. La cannelle est riche en minéraux, en fibres et en antioxydants. Ok? La cannelle peut prévenir l'apparition du cancer. Ouais. Parce que maintenant, de nos jours, avec l'alimentation, les nourritures, là, les cancers, que le Seigneur nous garde. La cannelle va booster votre système immunitaire. La cannelle va préserver la santé cardiovasculaire, chose qui est très importante. Les AVC, la tension artérielle, tout ce qui va avec. La cannelle va aider à contrôler le taux de glycémie dans le sang, les amis. Franchement, si vous ne connaissez pas, faites vos recherches là dehors. Ne prenez pas seulement ce que moi je suis en train de dire, mais faites vos recherches pour vraiment vous assurer que ce que je suis en train de dire, je n'ai pas inventé. C'est les docteurs qui le disent, c'est les gens qui s'y connaissent qui le disent. Moi-même, je fais ça chez moi au quotidien et je vois les résultats. Okay? Le girofle, par contre, va venir améliorer la santé du foie. C'est l'excès de féculents, le riz, le manioc, l'igname, le pain blanc. C'est l'excès de tout ça qui fait que nous accumulons la graisse au niveau du foie et après ça devient vraiment un problème avec le foie. Les clous de girofle vont venir vous aider à dégager tout ce qui est toxine du foie. Ok? Les clous de girofle aussi vont aussi aider à régulariser le taux de glycémie dans le corps. Ok? Beaucoup d'entre nous là sont peut-être... On n'est pas diabétique, mais on a le taux de sucre qui n'est pas vraiment équilibré dans le sang. Et si on ne fait pas attention,
ça va finir par devenir le diabète. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce que nous consommons d'abord, mais aussi de s'aider avec les petites astuces qui vont nous booster tout au long de notre vie. Ok? L'âge n'est qu'un chiffre. Vous pouvez être même avoir 50 ans et avoir le corps, l'organisme, you know, d'une personne de 20 ans parce que vous prenez soin de vous. Votre foie en bonne santé, votre cœur en bonne santé, vos reins sont en bonne santé. Vous fonctionnez comme un enfant de 20 ans. Alors les amis, voilà que ma boisson est fin prête, ok? Je vais vous montrer à quoi est-ce qu'elle ressemble. Maintenant que ça a chauffé avec le micro-ondes, la poudre de cannelle a eu le temps de se mélanger au jus de clou de girofle, n'est-ce pas? Maintenant, je peux déguster ma boisson tranquillement. Je ne rajoute aucun sucre, ni de miel, ni quoi que ce soit, parce que selon mon goût, la poudre de cannelle est déjà assez sucrée. Donc du coup, si vous voulez changer un peu le goût pour vous, vous pouvez rajouter un peu de miel. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron à l'intérieur. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. Et je profite de ma boisson qui va me donner une bonne santé, qui va m'aider avec la graisse, qui va m'aider à booster mon système immunitaire et à m'éviter de tomber malade pendant les saisons. Surtout que l'hiver approche vraiment à grands pas ici aux États-Unis. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner pour me faire savoir que vous aimez ce que vous voyez. Allez, sans plus tarder, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!